XR128 chip 128 representing Germany de l'Allemagne, Simon Albrecht. On va retrouver le vice-champion d'Europe 2022 représentant la France, representing France, son dossard 118 118 Elton de Souza. Another French guy, un autre français avec le dossard 123 123 chip, Yvan Sivillier. Yvan Sivillier qui a terminé 3e au championnat du monde 2022 et Simon Albrecht, lui, vice-champion d'Europe 2021. On est parti pour cette finale. Pour l'instant, c'est donc l'Italie, Duccio Marsili, aux avant-postes, Elton de Souza, Simon Albrecht, Yvan Sivillier en quatrième position. Est-ce que les Français vont être capables? Allez, il faut recoller pour Yvan Sivillier, recoller à l'amorce du dernier tour. We will finish with the last lap, ringing the bell, la cloche qui retentit, l'avant-dernier virage. Et toujours l'Italien en tête, suivi par Enzo Elton. Elton de Souza qui fait l'effort. Attention, l'Allemand arrive également à l'intérieur avec sa puissance, son grand gabarit. Oh, Elton de Souza. Oh, belle championne pour Elton de Souza. Elton de Souza, European champion. Et derrière lui, on va attendre le classement officialisé par les juges. Il semble et bien que le vice-champion d'Europe, c'est l'Allemand Simon Albrecht. Et Simon Albrecht, from Germany, vice-champion. Et celui qui termine le troisième, il vient de la France, Yvan Sivillier. Belle performance, on peut l'applaudir également, Yvan Sivillier qui a peiné dans cette course, qui a souvent été distancé, mais qui a fait l'effort pour, sur la ligne, passer l'Italien Duccio Marsili. Très, très belle course que ces seniors mènent. Allez, place aux seniors ladies.